bon. Oh, Peter, j'étais sûre que tu reviendrais. J'ai gardé ton ombre en attendant. Oh, mais j'espère qu'elle n'est pas froissée. Tu sais, tu es exactement comme je t'avais imaginé. Un peu plus grand peut-être, mais... Oh, tu ne pourras pas la recoller avec du savon, voyons. Il faut la recoudre. C'est le meilleur moyen d'y arriver. Cela dit, c'est drôle, je n'y avais jamais pensé auparavant. À recoudre une ombre, je veux dire. Évidemment, dès que je l'ai vue, j'ai su tout de suite que c'était son ombre et je me suis dit aussitôt, je vais en prendre soin jusqu'à son retour. Oh, et je suis sûre qu'il va revenir. Et te voilà, en chair et en os, Peter. Mais c'est normal, je ne connais personne qui ait perdu son ombre sans la regretter tôt ou tard. Tu n'es pas de cet avis? Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment Nana a pu s'en emparer. Elle n'est pourtant pas... Oh, assieds-toi, ça ne fera pas long. Elle n'est pas méchante pour un sou. C'est une merveilleuse bonne d'enfant, quoi qu'en dise mon père. Les filles sont trop bavardes. Oui, les filles sont trop bavardes. Alors, qu'est-ce que tu attends, fillette? Je m'appelle Wendy. Wendy, Moira, Angela... Ah, Wendy, ça suffit. Oh, et comment est-ce que Nana t'a volé ton ombre, Peter? En sautant sur moi, l'autre nuit à la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu fais à la fenêtre? J'étais venue écouter mes histoires. Mes histoires? Mais tu en es le héros? Bien sûr, c'est pour ça que je les aime. Je les raconte aux garçons perdus. Les garçons perdus? Oh oui, ce sont tes compagnons. Je suis si heureuse que tu sois venue ce soir. J'aurais pu ne jamais te rencontrer. Pourquoi? Parce que je dois commencer à grandir demain. À grandir? C'est ma dernière nuit dans la chambre d'enfant. Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus d'histoire? Non! Non, je ne veux pas! Suis-moi! Mais où on va? Au pays imaginaire. Au pays imaginaire. Le pays où on ne grandit jamais. Oh, Peter, ce serait vraiment merveilleux. Oh, mais attends. Maman ne sera peut-être pas d'accord. Maman? C'est quoi une maman? Je vais t'expliquer. Une maman, c'est quelqu'un qui nous aime, qui s'occupe de nous et nous raconte des histoires. Bien! Tu vas devenir notre maman. Viens. Non, attends une minute. Oh, voyons voir. Je dois faire mes bagages et laisser un mot pour dire quand je dois revenir. Je ne dois pas rester trop longtemps. Et il faut... Oh, le pays imaginaire. Je suis tellement contente que j'ai très envie de t'embrasser. Mais en quoi ça consiste? Oh, eh bien, je vais te faire voir. Arrête! Clochette, arrête!